Et ça, c'est la loi. OK. Maintenant, ça que nous allons regarder encore, nous allons regarder maintenant Lévitique 27, le verset 26. Lévitique 27, 26. Lévitique 27, 26. Mais ça le dit dans Lévitique 27, 26. Il dit, « Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. » En sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Il était dans tous les thèmes. Bétail, animaux et monde. Mais là, où est-ce que ça dit là, lequel appartient déjà à l'Éternel? Anne pourra le faire un coup d'intelligence ou bien pourra le montrer intelligent, c'est en tant qu'une femme de Dieu, une femme vertueuse. C'est qu'elle pourra utiliser la loi comme prielle. Comme la loi, je t'ai déjà dit, tout mal premier-né, c'est pour lui. Or, nous parlons, Anne pourra le dire, yon bagay là qui différent. Anne regarde dans 1 Samuel 1er, le verset 11. Ou après, qui ça Anne fait? Nan prier Anne, nan ça le dit. Et puis, ou après, comment Anne, intelligente, selon l'Esprit, le Seigneur, te mette dans lui-même. Parce que premier-né, te déjà appartient avec l'Éternel. Alors, le pas qu'a dit, Seigneur, soubam yon enfant mal, m'a consacré avec vous. Il était déjà pour le Seigneur. On a regardé 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. 1 Samuel 1er, le verset 11, mais ça le dit. Elle fut, le verset 11, 1 Samuel chapitre 1er. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors, bien dit oui, il me pesait sous mal là, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors, Lui dit le Seigneur, soubam yon enfant mal. Pourquoi il dit yon enfant mal, il pas dit n'importe enfant? Pourquoi il besoin de préciser? Alors, pourquoi le préciser? Et aussi, pourquoi, chers téléspectateurs, lui dit la offrir premier petit ça avec le Seigneur, puisque le Seigneur était déjà mandé. La loi déjà mandé. So, là, il dit la offrir là, c'est comme si m'tadou, il vient prendre la loi, fait prier. Ma offrir là, oh, le Seigneur déjà dit pour lui, il a déjà apparti avec le Seigneur. Eh bien, Anne, avec l'esprit du Seigneur, elle est intelligente. Par intelligence qu'elle gagne, elle prend prière et la loi fait prière. Pour le Seigneur, elle précise parce que le Seigneur n'a pas besoin de petit fille. C'est petit garçon. Et c'est seulement premier petit garçon. Elle me dit, si je suis un enfant mal, comme c'est premier petit garçon, elle a gagné. Je consacre avec elle. Et là, elle a consacré avec elle, pas oublier que petit ça qu'elle peut gagner, qui c'est Samuel là. Les papes pour lui encore, l'a obligé de remettre avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le pral, après un an, le pral mène le notre plan, hein? Le pral mène le notre plan pour le remettre Samuel avec Élie. Et bien après, le Seigneur pral bénit servante lui. Et ma moto texte dans chapitre 2, et Samuel chapitre 2, le verset 21. Samuel chapitre 2, le verset 20-21. 1 Samuel chapitre 2, le verset 20-21. Le verset 20, il dit, 1 Samuel chapitre 2, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Le verset 21, prophétie accomplie. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alors, là, les filles de Samuel, puisqu'il était promis avec le Seigneur, eh bien, lorsque tu es arrivé,
li mené Samuel aller by Eli comme il était promis. Après Eli bénit et il dit que le Seigneur baoua. Béni, alors il dit Elkana que le Seigneur bénit femme pour gagner l'autre petite là-dedans avec elle. Et ou après le Seigneur bali 5 encore. Il bail Samuel, Samuel pas voulu, il bali. Samuel le suivi de Dieu jusqu'à la mort. Et qu'on a le Seigneur bali 5 timoun, 5 timoun sont pas prêts à le présenter le Seigneur. Comme il dit, c'est mon premier petit garçon, il a besoin. Premier petit là. Et c'est la raison pour laquelle dans Luc 2, l'ennemi au Luc 2 là, il dit, comme la loi Moïse te dit, tout mal premier né doit consacrer au Seigneur. Alors, tout à l'heure, nous t'a parlé des jours de purification. Nous tiens à ce que vous compreniez ça, ça veut dire jour de purification. Hein? Qui ça la loi dit pour faire purification de femme non lorsqu'elle est enfantée? Nous pouvons regarder qui ça la parole dit dans Lévitique 12. Ouvrez Bibou avec nous dans Lévitique 12 pour nous capables comprendre un peu sur affaire jour de purification. Dans Lévitique 12, mais ça le dit. Alors s'il vous plaît, notez chapitre ça et lisez avec attention pour capable comprendre et pour arriver à conclure que tout ça protestant a fait, il n'est pas vrai, il n'est pas biblique, il n'est pas selon la parole de Christ. Si il retourne dans l'Ancien Testament, dans la loi, il a tout péri. Pourquoi? Parce que la loi de l'Ancien Testament, ou bien la loi du péché de la mort, c'est avant Jésus-Christ qu'elle était venue. Et lorsqu'elle était venue, il n'est pas pour les nations, il était pour le peuple d'Israël. Et Psaume 147, le verset 19 et le verset 20, lui expliquer nous ça clair, c'est qu'elle dit Dieu révèle les lois liyo et ordonnances liyo avec Israël. Il pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent pas sa loi. Louer l'Éternel, Psaume 147, le verset 19-20. C'est-à-dire les nations pas de la loi de Dieu en dehors Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui pourra venir qui a bon nous accès à royaume non, qui pourra hanter nous, comme dit l'apôtre Paul, hanter nous dans l'olivier franc. Nous-mêmes qui étions olivier sauvage là, nous pourra hanter dans l'olivier franc, qui c'est Israël. Nous pourra faire un seul peuple avec, par la foi, par la croix, par Jésus-Christ. Et maintenant là, nous pourra comprendre que si un monde voulait appliquer la loi du péché de la mort, comme nous te dit dans Galates 3, le verset 10, il dit, maudit quiconque a observé la loi, qui pas appliqué tout ça, la loi a dit. Kembe Lévitique 12, on a regardé Galates 3. On met Kembe Lévitique 12, on a regardé Galates 3, le verset 10, pour ouais, parce que les gens voulaient appliquer la loi, ils n'ont pas fait ça, ils ont demandé, ils ont mis des chants sous yo. Pour nous montrer que ce n'est pas nous-mêmes qui dit, mais c'est le Seigneur, c'est ça qui est écrit dans la parole. Seigneur là, c'est ça nous besoin faire ouais et faire comprendre. En regarder Galates 3 le verset 10. Galates 3 verset 10 mais ça le dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque observe le livre de la loi et qui pas mette tout ça la loi dit en pratique. Déjà là, nous entendons, ouais, il n'y a pas appliqué la loi, mais il n'y a pas mettre ça la loi dit. Il n'y a pas appliqué tout ça la loi dit. Parce que, nous pouvons regarder là, dans le chapitre 12, Lévitique 12. On regarde pour nous, ouais, parce que si on n'a pas appliqué la loi, on veut appliquer la loi, il faut appliquer toute la loi. On ne peut pas compatir. C'est soit le pour ou bien le pas pour. C'est soit appliquer tout ça qui est écrit. Ou bien on peut appliquer le dit tout pour comprendre que c'est pour le peuple d'Israël qu'elle est. Il n'est pas existe encore. Jésus qui vient, il finit avec ça. On regarde Lévitique 12, le verset 1er, mais ça le dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte, et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle.
le verset 3. Le huitième jour, comme nous, Jésus-Christ, le huitième jour, après la purification, on fait sept jours la caillou, hein, impur. On va prendre la caillou, pas qu'à présenter, sept jours impur. Huitième jour, maintenant, il faut aller circoncis, garçon. Hein? Eh bien, c'est ça, oui. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. C'est ça, Jésus-Christ a appliqué pour le final. Le verset 4. Elle, après le huitième jour, oui, elle restera encore 33 jours. 33 jours à se purifier de son sang. Quel sang? Sang où elle fait couler pendant la fête non. À se purifier de son sang, elle ne touchera aucune chose sainte. Ah, c'est là, il faut appliquer tout ça. Il faut appliquer tout ça. Yo. Et elle n'ira point au sanctuaire. Il ne va pas le côté, mon Dieu. Il n'y a pas d'eau, mon Dieu. Il ne va pas mettre pile là, parce que les pires. Jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Ça, c'est pour garçon. Hein. Ça, c'est pour petit garçon que vous devez présenter. Kounia n'a pas regardé dans le verset 5 maintenant. Le verset 5. Qui ça le dit? Le verset 5 dit, si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Alors, pour petit garçon, elle est impure pendant 1 semaine, 7 jours. Pour petit fille, elle est impure pendant 2 semaines. 2 semaines. Petit fille, pas dans la circoncision, pas dans la présentation, rien du tout. Mais elle est impure pendant 2 semaines. La pépite pendant 2 semaines, comme au temps de son disposition menstruelle. Et maintenant, après imperfection pendant 2 semaines, ça, que sans couler pour faire timoun ça, eh bien, le texte a dit, elle restera 66 jours. 66 jours à se purifier de son sang. Pour petit garçon, hein? Pour petit garçon, alors, on va aller trop vite pour ne pas comprendre. Pour petit garçon, hein? La et puis pendant une semaine, huitième jour après le circoncile, même Jean-Jésus-Christ circoncile le huitième jour après 7 jours de purification. Hein? Et après, la prêté 33 jours la Kali encore. Alors qu'on allait prendre 7 jours plus 33, 7 plus 33, ça va faire nous 40 jours que pour petit garçon en femme prend la Kali. Qui sorti la fête, c'est seulement sur 8e jour, hein? Après purification 7 jours, 8e jour, il faut la circoncile. Après, pour le retourner dans Kaeli. Pour la faire 33 jours, ajouter sous 7 jours, ça fait 40 jours la Kaeli. Pour tout jour de purification écoulé net, et puis pour le cabane en règle encore, pour la présenter Timon au Seigneur pour faire offrande pour le complet, pour le correct. Pour Tifia, l'elfine fait Tifia, la passé 2 semaines la Kaeli, 14 jours. 2 semaines, la Kaeli, qui c'est 14 jours. Après 2 semaines, elle a retourné passer encore 66 jours. Petit garçon, c'était 33. Lui-même, l'a passé soit, elle est doublée pour petite fille. Doublée. Hein? Petit garçon, 1 semaine, pour petite fille, 2 semaines. Petit garçon, 33 jours, pour petite fille, 66 jours. Kouna Len prend 66 jours à ajouter sur 14. Jour qu'elle fait, 14 premiers jours de purification, yo, ça a fait 80 jours. Petit garçon fait 40 jours, petit fille 80 jours. Le verset 6. Après 40 jours, ça, ou bien 80 jours, hein, lorsque les jours de sa purification seront accomplis, qui c'est 80 ou 40 jours là, soit petit fille ou bien petit garçon, hein, pour un fils, ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une touterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 touterelles ou 2 jeunes pigeons
L'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure après 80 ou 40 jours. Si c'est pour Tifia, c'est 80 jours. Après 80 jours, elle va faire offrir ça pour le pur. Si c'est pour Tigachon, elle va faire après 40 jours. Après 40 jours. Qu'on y a là, c'est là que nous allons arriver à comprendre bien Luc 2 encore. Luc 2, là, qui ça le dit? Luc 2, la clé pour comprendre. Parce que même Jean la loi dit là, c'est la loi que tu dis. Eh bien, l'obligé fait Jean la loi dit là, nous retournons dans le thème central. Nous, c'est Luc 2, Luc chapitre 2, le verset 21. Eh bien, qui ça? Le huitième jour, le verset 21, Luc 2, le verset 21, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, nous se trouvons dans Luc 12, dans Lévitique 12, là, c'est ça le dit. Les femmes n'ont fait un petit garçon, il passe 7 jours là qu'elle lit, et 8e jour, 7 jours, le coup la couche, elle fait 7 jours là qu'elle passe dehors. 8e jour, elle sortit pour la circoncis petit garçon. Après ça, elle retourne là qu'elle. C'est pas comme une présentation au temple là, au Seigneur là, non? Elle retourne là qu'elle. Après 8 jours ça, sur 8e jour, elle sortit, après 7 jours, sur 8e jour, elle circoncis, elle retourne là qu'elle. Il retourne fait 33 jours. En tout, il fait 40 jours la Kali. Après 40 jours, ça, il retourne dans le top. Là, dans le top là maintenant, pour la présenter. Parce que pendant tout, il va te présenter l'avant. Parce qu'elle est pure. Quand il a la folle venir après 40 jours, ça, dans le temple, devant le sacrificateur là, pour présenter petit garçon, ça, c'est pas petit fille. Mais premier, n'est ça au Seigneur. Et c'est ça, nous, ouais. Le verset 21, Jésus-Christ, 8e jour, après purification, 8e jour. Hein? Les circoncis. Le verset 22. Et quand les jours de purification furent accomplis, les jours de purification, ça veut dire que les 40 jours pour les garçons, ils ont fini accompli selon la loi de Moïse, qu'on a Joseph monté à Jérusalem et le présenté au Seigneur. Et qu'on bagaille nous parler dans le verset 24 là, le verset 23. Ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Dans le verset 24, il dit, pour offrir en sacrifice de touterelle ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Alors là, nous, pour Jésus, Marie, pas de moyen. C'est deux touterelles, deux pigeons. Qu'elle offre. Parce que je ne suis pas qu'à procurer, c'est pour procurer d'un agneau un an. C'est ça que je dis dans Lévitique 12 ans. Or, il n'y a pas qu'à procurer d'un agneau un an. On a repris des jeunes pigeons, des jeunes touterelles. Pour y faire sacrifice ça, et puis pour Marie, capable de pur. Encore. Alors, qu'on y a là, qui ça nous voit que vous faites dans le siècle ça, dans le moment ça? Ça vous fait. Qui ça qui écrit? D'abord, il faut nous lire le texte qui est souvent utilisé. Hein? C'est Marc 10. Marc 10, nous pouvons garder Marc 10 pour analyser avec ça, nous sommes gardés tout à l'heure. Gardez Marc 10 pour vous, qui rapport ça gagne avec ça vous fait, parce que vous n'avez pas qu'à lire le texte comme vous avez lu avant là, les offres de présentation au Seigneur. Au temple, hein, comme c'est au temple, vous dit. Mais la Bible dit au Seigneur, il n'y a pas qu'à lire le texte, ça nous saute lire, mais mes textes que vous lisez, lorsque vous faites. Marc 10, le verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16. Marc 10, le verset 13, il dit, on lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenèrent. Alors là, ce n'est pas au Seigneur, présentez-vous là. Ils ont mené au bali pour qu'ils les touchent. Parce que dans l'époque, les Jésus ont mené le bali, c'est sacrificateur. C'est dans le temple. Il faut que tu aies un sacrifice à faire. Et Jésus qui fait. Alors là, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenèrent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Le verset 15, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains.
là, ce n'est pas dans le temple, ni ce n'est pas ton sacrificateur qui est là pour recevoir. Mais vous menez tout le monde, bah, Jésus touche et puis le bénit. Qui rapport gagne avec ça, la loi Moïse dit? Or, qu'on a dû se présenter, on va le présenter au Seigneur parce que la Bible dit. Et qu'on a besoin de demander contre la Bible dit. Et qu'on a le film contre la Bible dit, qu'on a pu expliquer ça, la Bible dit. Parce que la Bible dit tout mal premier-né. Et là, il dit des petits enfants, petits filles, petits garçons, tout là, tout. Hein? Parce qu'il n'est pas présent, pas au collège, pas quand même, non, petits filles. Ça, par les présentations au temple ou bien au Seigneur, ça n'a pas existé encore. C'est la loi. C'est la loi. Si yon frère, yon soeur, il s'appelle ou bayou, comment dire, parraine, marraine. Hein? C'est parraine, marraine. Même j'ai pour fester yon parraine, marraine. Yon pas dit témoin. Yon témoin a dit parraine, marraine, bonjour, parraine, bonjour, marraine. Alors là, maintenant, Timoun a fait, Jésus qui fait, bah, j'ai exemple ça, il doit prendre. Là, il a présenté un Timoun, soi-disant au Seigneur ou bien au temple, c'est pour lire Luc 2. Et si vous pas lu Luc chapitre 2, là, demandez pourquoi que vous pas lu Luc chapitre 2. C'est puisque il y a un sacrificateur toujours, il est obligé de faire comme ça. Autrement, mettons quoi sur ça. Et même, j'en nous dit pour dîme, passons quoi pour sous dîme, c'est fini. Arrête avec ça. Ni à faire présentation au temple, arrête avec tout. Passons quoi sur lui. Parce que homme de Dieu, il y a un seul qui a accouché dans l'assemblée, parce qu'on a la femme, non, même elle a accouché depuis le sentier bien, il y a dans le service. La loi, ça n'a pas existé encore. C'est ça, Romains 8, le verset 2 dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ affranchit de la loi du péché et de la mort, mais comment on fait là-dedans encore? Quand je me demande, est-ce qu'on accepte Christ? Oui, est-ce que c'est pour Christ soit vive? Ou bien m'oblige de demander aussi, est-ce que on a sauvé en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la nouvelle alliance? Non, on ne peut pas sauver. On périt. On périt. C'est clair et net, on périt. C'est nouvelle alliance qui a accès à la vie éternelle. Bon, si vous rejetez nouvelle alliance, on prend ancienne alliance, il va être même pour vous, il va être pour vous. On périt. On perd du temps. Alors, lorsque les femmes ont se accouché, dirigeants, vous comptez ça, vous faites? Dirigeants ont débarqué dans l'hôpital là pour aller accueillir. Enfant ça qui fait fête là. Qu'il te petit garçon, qu'il te petit fille. Pour accueillir, prier pour lui, pour lui rentrer la caille. Si c'est dans la maison, elle fait, elle est dans la maison, elle prie avec elle, accueillir tout le monde. Voilà. On ne présente pas le Seigneur. Mais je vous présente le Seigneur, on oublie balinette. Parce que vous avez regardé moi, dans le protestant, vous présente le premier petit garçon, deuxième petit garçon. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, yo présenté dernier. Si vous avez 12 petites, il présente tous les 12. Qui t'y fille, qui t'y garçon. Mais quand ça écrit. Et là, dit quand ça écrit, c'est la Bible qui dit. Quand la Bible dit ça, on fait. On dit, on fait là, quand elle écrit dans la Bible. Qui bon l'écrit? Bah, quand elle écrit dans la Bible, pas comme ça. Les gars font première petite fille, il présente au temple. C'est normal. Catholique a fait, ou obligé de suivre catholique. Protestant a fait, ou obligé de suivre protestant. On a catholique et protestant, obligé de rester dans le même système, non, pour fonctionner. Parce qu'on a une bac à la guélote. C'est même semence catholique ou maintenant, qui est dans le cœur, fait coller avec tradition, coller avec un paquet de vieux systèmes. Au lieu qu'ils fassent ça, Bible a demandé, ils font ça qui est dans la pensée. Ça, c'est bon pour eux, parce que c'est une question de grade. Il n'est pas intéressé, comme Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course. Et qu'elle accomplit le ministère que Jésus qui balia. Mais quand on ne peut pas accomplir le ministère que Jésus qui balia, comment pour faire ça la Bible demande? Ce n'est pas faux tout. Ou pas qu'à faire. Oblige de camper à faire des choses qui pas écrit. Tout ce qu'on fait, il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit.
Alors là, on a capé, nul enfant est trop petit pour la haute étoile. Et puis après ça, tu ne peux pas mettre l'église. Pas jamais dans la réunion. Tu ne peux pas faire ça et ouvrir dans tout le vagabond d'Ajoui. Sous mes yeux, c'est enseigné ça la Bible. Dit. Estouil. Parce que le conseil par un capitaine que les timoun n'a 14 ans pour yon baye formation, pour yon estouil. Mais la Bible dit, estouil l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Kounen après, les jeunes filles n'ont pas habillé, les fêtes dans la maison, elles ont habillé, elles ont qu'à filer ce boule, elles ont l'acheté. L'acheté pantalon, l'acheté toutes sortes de bagages, puis le vini. Personne n'a pas dit, mais petit moi, comment faire mener ça? Les grands moun. Il a acheté sa leader deal. La pas habillé, elle pas aller dans réunion tout tourné, personne pas dit bon, et petite moi venir non, venir me garder pour moi comment habiller. Il pas aller dans l'arrière, habillé tout tourné, c'est pas un problème. Il met ton jupe sur lui tout qui l'autre, il va regarder, c'est pas un problème. Pas grand monde qui responsable. Et on offre avec le Seigneur. On consacre le Seigneur. Waouh. On consacre le Seigneur. Non. Si vous dites que vous consacrez au Seigneur, parce que les gens qui consacrent au Seigneur, ils sont là au service du Seigneur. Et là, marcher selon les normes du Seigneur. Parce que les gens qui consacrent au Seigneur, pas qu'à l'Église, vous lâchez un pantalon, mais tu lis. Non. Les gens qui sont au service du Seigneur, pas qu'à venir camper devant le Seigneur avec tête lisse envoilée. Non, pas du tout. Parce que le compte, c'est la loi, bon Dieu l'a dit. Hein? L'homme dit la loi, bon, j'ai dit la loi de l'esprit de vie. Li kon sa le dit, et il tient à accomplir sa la loi mandel. Et c'est ça qui fait nan ou fier d'être chrétien disciple de Jésus-Christ. Parce que si ou nous c'est chrétien, oh, ou a craser la loi de Christ, ou a craser ça qui écrit, ou a bay tête ou menti. Ou nous c'est chrétien, ou pas appliquer ça la Bible dit, ou a prêcher, ou bien frère Patrick a prêché, pas appliquer sa Bible a dit, ou a perdu du temps, frère Patrick. C'est ton repère. Parce que on péri pour tête ou qui est-ce qui a péri avec personne moun. On péri pour contou. On péri pour contou. Qu'est-ce qui a péri avec vous? Perdu ton. Bah tête ou menti. Et puis vous consacrez au Seigneur. Ou bah ou avec le Seigneur. Ou bah ti moun avec le Seigneur. Parce que ti moun vive Jean Vlé. Ti moun li consacre au Seigneur. Oui? Li dans toute sauce. Alors, on dit qui consacre au Seigneur, le jour, non, soi-disant, on dit fête Noël, on habille le rouge et blanc, pour vous, il dans fête Noël, et le consacre au Seigneur. Oh, Seigneur, il a parlé ça. Hein? Non. Si vous nous consacrez au Seigneur, on a perdu ses oreilles, ou pas qu'on a perdu ses oreilles, on dit que nous consacrons au Seigneur. Hein? Ou qu'on a mis permanent dans ses oreilles, on dit que nous consacrons au Seigneur. Mais non, ou pas qu'on a fait un travail comme ça. Hein? On ne peut pas faire un travail comme ça. On ne peut pas faire. Hein? Parce qu'on consacre au Seigneur. Il y a des choses qu'il n'a pas participé, des choses qu'il n'a pas mettre sous jour étranger là. Parce que son premier clair. Et où est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ça le fait. Il médite jour et nuit. Parce que c'est la parole. Au besoin d'examiner, analyser la parole. Si vous avez besoin de faire un besoin de prier pour vous, vous avez prier pour vous. La prier pour vous. Déjà, la parole de Dieu est déjà claire sur ça. Il dit que depuis le fait de la couple, il fait saint. Parce qu'il y a des gens, à cause de papa, la maman, le chrétien, ils sont tous sanctifiés. Ils n'ont pas demandé de pouvoir le présenter nulle part. Les sanctifiés, ou sont serviteurs de Dieu, posez mes sous petit ou à prier pour lui. Ou sont hommes de Dieu, posez mes sous femmes ou prier pour lui. Hein? Posez mes sous lui pour prier pour lui. Parce que depuis que nous faisons nos familles chrétiennes, les chrétiens, les sortis chrétiens. Hein? Les sortis de monde qui suivent Christ, disciples Christ. Parce qu'ils font.